Et c'est dommage que en France le Canada. Ah ouais, je suis un ouf moi. Depuis que j'ai 16 ans, on va dire. Mais le premier, c'était à 13 ans. Ouais, je me rappelle, c'était en vacances, c'était dans un camping. Je me suis fait dépoter un peu plus grand que moi et ils m'ont invité à table et j'ai dégusté mon premier sandwich. Par jour, ça dépend en fait. Si c'est de la viande, c'est des boulettes de viande, je vais aller mollo un peu. Si c'est de la salade, je peux m'en envoyer jusqu'à 10, grand max. C'est être en vacances avec des poteaux, soleil, tout ça. Tout le monde se met à table, bim, chacun son sandwich, carré. Fanta citron, indiscutable les mecs. Dès que j'ai mangé mon sandwich, je passe à la station vers Clinique de l'Essonne, je prends direct Fanta citron, je remonte dans ma voiture, c'est carré. Ce que le sandwich m'inspire, ouais, il m'inspire, hein. C'est important pour travailler. Ça m'aide au studio, généralement, j'ai souvent des petits creux. Contrairement à la boisson, moi, j'ai pas trop soif. En français, je te dirais PNL, obligatoire en vacances. Et en quinri, NB Young Boy. Mais faut que je fume. Ah, il y a déjà une boulette là. Avec du NB Young Boy, sandwich salade, bim. Nickel. Grec, hein. Tu connais dans la zone, il y a beaucoup de grecs, ça veut dire grec. Tu peux manger pizza, McDo, voilà, du gras. Ou des fruits, hein. L'été, des fruits. S'il y a une mangue qui traîne sur la table, je la croque direct aussi, hein. Je mange plus de perso, mais j'aime bien aussi partager ça avec une meuf dans ma voiture. C'est bon délire aussi. Ouais, toujours. Ça me donne de la force. Ça me désinhibe un peu. Avec un sandwich, non. Mais avec un gâteau au chocolat, mélanger un sandwich, ouais. Tu vois ce que je veux dire? KO direct, KO. Impossible de bouger. Je pense pas me cacher devant eux, mais de là à en manger avec eux, non. Faut pas les engrainer là-dedans. Ouais, les petits, faut pas toucher à ça. 16 ans, tu peux commencer. Moi, j'ai commencé à 16 ans, par exemple. Personne, aucun des deux. Laissez-nous tranquilles. Tant que ça fait pas baisser les criquets qui viennent nous voir, moi, ça m'est égal, hein.